pense que d'ailleurs, c'est pour ça que Bruno Genesio oui, avec un sport de balle. Hein. Attention, Desmartins, côté gauche, le centre. La frappe et le premier but de Romain Spano. Et à la finition, le buteur, le cinquième but cette saison pour Romain Spano. Oui, d'un extérieur, on va le revoir au ralenti. Oui, voilà, on parle de vitesse d'exécution, vous avez vu en trois passes, il y a but. Deux passes vers l'avant et la troisième. Au décalage à gauche. Ce ballon qui reste dans les pieds à l'entrée de la surface, la frappe de Desmartins, elle est contrée. Et la parade une nouvelle fois de Dorian Grosch, le ballon qui reste dans la surface de réparation. Avec le... De cette pression que l'adversaire nous met. Attention à ce ballon qui trouve Chien, gardien, obligé de dégager après le bon pressing de Yann Kitala. Et attention à cette balle qui arrive dans les pieds de Desmartins. La frappe de Desmartins du pied gauche et la réduction du score. L'égalisation, deux buts partout pour Andrézieux à 5 minutes. Voilà. On revoit cette bonne déviation de Spano et derrière la demi-volée. Bien joué. On le sentait, hein. L'hésitation de notre défense centrale. Préjudice, on a manqué un peu de rythme. On a manqué un peu de rythme en fin de match. On n'est pas encore abattu, mais on est blessé. Et Noël qui baisse physiquement. On le disait avec cette période de Coupe de France. Ça leur porte peut-être préjudice. Attention avec cette frappe de Amieux. Punir par la formation rouge et bleu et ce but de Rémi Amieux sur un corner et un cafouillage. Et derrière, ça profite donc à Rémi Amieux. Revient au score, elle a ses forces décuplées. Voilà, on était sur le fil du rasoir et on a su être efficace quelque part sur les situations qu'on a eues et renverser la vapeur dans le money time. Mais bon, voilà, je suis très content. Va jouer haut et pressé d'entrée de jeu, se créant la première grosse occasion du match. Beau contrôle de Christopher Desmartins qui centre pour Spano. Poteau, c'est le poteau, oui, qui sauve.